nous envoyer un respect, donc. Vous en profitez pour serrer les mains, il n'y a pas de représentant. Bonsoir Thibault pour les infos de sport, je suis avec Jean-Paul Nicole, président de 4 Rivières. Alors, trois belles finales aujourd'hui sur votre stade. Oui, trois belles finales. On était très heureux d'accueillir ces coupes de Haute-Saône ici à Dampierre-sur-Salon. C'est la première fois de l'histoire qu'on accueille les coupes de Haute-Saône. Donc c'était une vraie fête. Je remercie le district de leur confiance, d'aussi l'organisation avec nous. Donc c'est qu'on a travaillé vraiment en binôme, on va dire, et ça s'est très bien passé. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de la semaine pour que ces finales soient une grande réussite, et je pense qu'aujourd'hui c'est surtout une fête du football haute-saônois et c'est ça le plus important. Eh bien merci. Merci. Bonsoir Thibault pour les infos du sport, je suis avec le président du district de Haute-Saône. Alors président, on a vu trois belles finales aujourd'hui à 4 Rivières. Effectivement, 4 Rivières, trois belles finales. Trois belles finales qui se sont très très bien déroulées, la finale 18 ans, la finale 15 ans, la finale des seniors. Du très beau jeu, des scores assez serrés, sauf la finale senior 4-0, mais il y avait 5 divisions d'écart quand même entre les deux équipes. Mais on a vu du beau jeu, on a vu du fair play, on a vu du respect, on a vu la fête du football, on a vu des finales comme on les aime au district, c'est-à-dire sans souci et sans discipline derrière, ce qui est le plus important pour nous. Voilà. Et on a vu quand même à peu près 700 à 800 personnes sur le site de Dampierre-sur-Salon cet après-midi, donc c'est un après-midi réussi pour nous. Voilà. Alors l'année prochaine, ben, on ne sait pas où seront les finales. Mais on voit toujours des très belles finales de Coupe de Haute-Saône quand même. Mais après, ce n'est pas nous qui jouons. Le comité de direction du district ne fait que choisir le lieu des finales et confie l'organisation cette année à 4 Rivières, à Dampierre, qui a remarquablement organisé les finales. Nous, on essaie de faire tourner dans le département, on essaie de satisfaire tout le monde, une fois à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Mais ça, c'est le comité qui décide. Après, ce n'est pas nous qui jouons, mais c'est vrai qu'il y a toujours un football de qualité. Et pour la première fois depuis 20 ans, on a vu une équipe de 4e division de district qualifiée pour la finale. Donc c'est quand même 5 divisions d'écart, et je crois que c'est à souligner quand même, parce que c'est exceptionnel. Eh bien, merci.